Bonsoir, élèves musiciens. C'est le vlog du dimanche soir. Apprends à écrire ta première chanson. Est-ce que tu rêves d'être capable d'écrire une chanson de toute pièce, peut-être pour la chanter toi-même ? Ou pour la faire chanter par une chanteuse ou un chanteur célèbre? Oui, mais pour ça, il te faut de bonnes paroles et bien sûr, être capable d'en composer la musique ou de s'adresser à un compositeur. Si tu veux chanter tes propres chansons, tu peux t'adresser à un auteur professionnel, à un compositeur professionnel, mais pourquoi ne pas faire toi-même tes propres chansons, paroles et musique? Oui, mais alors, comment dépasser le syndrome de la page blanche? Comment trouver l'inspiration pour écrire un joli texte? Et puis, de combien d'instruments faut-il savoir jouer pour être en capacité d'en composer la musique? En fait, tu n'es pas obligé de savoir jouer d'un instrument pour composer une musique. Il suffit de connaître la musique. Ainsi, tu pourras, par exemple, si tu veux interpréter tes propres chansons, les chanter accompagnées d'un musicien ou de plusieurs musiciens pour qui tu auras écrit les partitions. Alors, comment faire ça si tu n'as jamais fait de musique de ta vie et que tu n'as, pour ainsi dire, jamais écrit de paroles? Eh bien, tu as plusieurs possibilités. Soit tu viens chez moi, près de Paris, où j'anime des après-midi d'immersion musicale. Plusieurs élèves se retrouvent pour écrire ensemble une chanson, paroles et musique. Ou alors, tu te rends sur mon nouveau site, dont je te mets le lien dans la description de la vidéo. L'objectif de ce site, c'est de te donner toute la démarche que j'utilise pour partir de zéro et écrire une chanson, paroles et musique. Alors que mes élèves d'harmonica se rassurent, je n'abandonne pas les cours d'harmonica, c'est simplement un site internet en plus sur l'apprentissage de l'écriture d'une chanson. À l'instar du site armo-diatejazz.com, sur les cours d'harmonica, toute la méthode pour écrire une chanson est en accès libre. De la même façon, les après-midi d'immersion musicale que j'organise chez moi sont offerts. Ensuite, je te proposerai une formation pour aller beaucoup plus loin dans l'écriture de paroles d'une chanson et dans la composition. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ta première étape est de remplir un questionnaire qui se trouve en page d'accueil du site. Tu veux apprendre à écrire des chansons? Commence ici. Et cela va me permettre de mieux te connaître, de savoir d'où tu pars et de te donner les bons conseils en fonction de ce que tu sais déjà faire et de ce que tu cherches à faire. Dès que j'ai pris connaissance de tes réponses au questionnaire, je te recontacte. Et je te proposerai de t'inscrire à ma newsletter sur la création de chansons afin que tu puisses recevoir régulièrement mes conseils et tous les jeux d'écriture que j'ai inventés pour te permettre d'écrire de bonnes paroles, puis ensuite de les mettre en musique. Bien sûr, tout cela ne t'engage à rien financièrement. Mon objectif est que tu réussisses à écrire ta première chanson dans quelques semaines. Qu'est-ce que je vais te permettre de faire? Est-ce que je vais te permettre d'écrire comme un auteur ou un compositeur connu? Absolument pas. Mon ambition, c'est simplement de te transmettre ce que je fais et de te permettre de faire ce que je fais, à savoir écrire ta propre chanson, paroles et musique. J'ai également créé un groupe Facebook, c'est un groupe public qui s'appelle « Apprends à écrire ta première chanson ». L'objectif de ce groupe est que les apprentis auteurs-compositeurs de chansons puissent échanger entre eux et partager leurs expériences, leurs écrits,
Bien évidemment, il est tout à fait possible de me poser des questions et je vous réponds gratuitement dans les 24 heures. Pour accéder au site sur la création de chansons, pour accéder directement au questionnaire et pour accéder au groupe Facebook, il te suffit de cliquer sur les liens dans la description. Si tu as aimé cet épisode de vlog, clique sur le pouce en l'air et écris-moi un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je te dis à très vite.